Et profitez-en parce qu'en Afrique, vous êtes pas prêts d'en manger. Bloqué à la donne à Casa. Allez, verdict, on est arrivé. Et là, la dame nous dit, non mais on fait pas en fait. Elle a roulé trop vite. Avec des routes pas du tout modernes. Quand on t'a coupé. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, on est de retour à la ferme. Et Esprit Terre aussi, ils sont de retour. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Quand même, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe ici. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais là, ils ont délimité ici pour faire la carrière pour les chevaux. Ça, c'est une première chose, donc ça va être tout ça là. Et alors là, ils sont en train de prendre tout le stock de crottins qui est au fond parce que la très bonne nouvelle, la très très bonne nouvelle pour la ferme, c'est qu'il va y avoir de la luzerne qui va être plantée ici et qui va pouvoir être arrosée tous les mois. Voilà, alors pas avec l'eau des cuves, mais de l'eau qui va être amenée jusqu'ici là pour pouvoir tout arroser. Donc le carreau, ça là, ils prennent d'un côté et ils amènent de l'autre et ils étalent le crottin partout. Et il y a Cro-Magnon et... Il a un nouveau, je vous présente, nouveau produit dérivé, baisse la tête, le chèche lovicar. Voilà, ça sera un truc pas mal à inventer, un chèche lovicar. Oh, c'est pas mal, il y a de l'idée. Hop là. Vas-y. Parce qu'on y met les outils. Hein? Non, ils veulent faire avec les mains. Ouais, non mais ouais, fais gaffe. Parce qu'on y met les outils. On va faire tomber, vous aidera à étaler sous l'eau. C'est déjà bien, c'est pour ça qu'il y a pas mes chèches. C'est trop cool. Eh, ton gâteau au chocolat, il a égalité avec la mousse au chocolat. Tu l'as goûté? Hein? Ah, ça va, c'est bien. J'ai encore là tout dans. Il m'a tapissé tout le côté là. Ouais, j'ai réussi. Mais c'est trop bon. J'ai dû le planquer parce que Zazou, il. Ah oui. Il en avait bien envie. Il y en a un au citron aussi, mais c'est un peu plus spécial le citron. Ouais, des fois c'est bon. Tout le monde aime pas donc. Oh, l'ami des chevaux. Allez, fais attention à tes oreilles. Hein. Ah, mais Kiki aussi travaille. Alors, le Kiki, c'est la version un peu plus petite. Il fait ça à échelle humaine, Kiki, lui. Avec sa petite brouette et sa petite pelle. Nous, on a mis un carré à 3 ou 4 personnes. Et... soit Elo est blessée de tous les côtés, elle a du bleu de partout, soit elle a soigné les chiens. Les deux. D'accord. Les deux. Ah, regarde la chaîne là-bas, elle en dirait une schtroumpfette là-bas. Bah toi aussi, hein. Pas de vexer, mais... Oui, mais j'ai que là, moi. Mais là, c'est là où je me suis blessée, là. Par contre, je vais couper, puis je vais te dire quelque chose hors caméra. D'accord. Vous pouvez pas entendre ça, il y a des enfants qui écoutent. Le poteau ouais, bien écarté les... Écarte un peu, ouais. Voilà. On est fatigué. Il fait chaud. Il fait chaud. Oh. Regarde ta fille qui conduit ta voiture. Ah oui, marocaine, oui. Celle-là. Elle est prête pour vivre ici ou travailler avec les chevaux. Une vraie marocaine blonde. Blonde, oui, oui, oui. Ah, No Name, il est comme un dingue. Ah, vous voyez tout le crottin là? Bah tout ça, ça doit aller de l'autre côté. Ça en fait hein, du crottin à déplacer. Si, mais c'est la galère. Attention, Céleste. Non, attends, c'est bien, Alice. Prends large, comme le poids lourd. Elle prend des cours pour le poids lourd. Mais c'est con, mais. C'est vrai. C'est vrai, en plus. Hein. Attention, je vais remplir.
Allez, coulisses du tournage. Allez, dans les coulisses du tournage. Dans l'autre cabane, il mange des chiens. Allez, ça. Parce que là, rentre. Alors, pas. Alors, elle est en train de filmer. Rentre, ouais. Alice aussi. Comment elle s'appelle? Ah, voilà. Jazz, le nouveau serveur. Jazz, le barman. On va se promener. Eh oui. Eh oui. Encore. Eh oui. Eh oui. On prend les mêmes et on recommence. Exactement. On va faire un tour sans enfant d'ailleurs, hein, cette fois. Et sans mari. Sans mari, sans enfant. Et pourquoi? Parce qu'on a envie, c'est tout. Voilà. Ouais. Vous entendez quelque chose avec les voitures là? On va aller dans la Médina, ça prend peut-être moins de bruit. Hein. Alors Alice, on est perdu ou pas? Mais non, on n'est pas perdu. Ah, jamais perdu. Jamais. On sait pas où on va, mais on n'est pas perdu. L'expression dit toutes les routes mènent à Rome. Bon, bah, c'est pareil. Et bah, Maroc. Et bah ici, toutes hein les routes mènent à Sarreg. Bah voilà, exact. Voilà. Hein? Oh, on se promène. Regardez les bâtiments. Voilà, je vous présente les rues de Taroudante. Comment ça, vous les avez déjà vues? Eh ben, vous les retrouvez encore. Voilà. Puis d'abord, on aime bien Taroudante. Ouais, d'abord. Hein? Bon, d'abord, on est bien, nous, ici? Ben oui, d'abord c'est notre chaîne, on fait qu'est-ce qu'on veut. Voilà. Oh, faut bien rigoler, faut un peu d'humour. Hein. Mais je voulais inviter pour une fois. D'accord, on va payer. Ouais. On va être obligé de ressortir. Ah ouais. Non, comme ça on est obligé de retourner en ville, se balader. Ah ouais. Si elle veut payer son coût. Ah bah ouais, c'est bon. Ouais. On prend encore les mêmes et on recommence. C'est ça, et on a fait, oh, franchement, on voit pas tout fait. Elle est là. C'est ok. Non mais... on a brûlé des calories. Bah, faut bien re-remplir le du niveau coup d'énergie. Bon, du coup, faut bien qu'on boive un coup. Sinon, comment on va faire? On ne pourra pas rentrer. On risquerait de perdre 200 grammes. Et la déshydratation, t'imagines un peu avec la chaleur qu'il y a. On va pas pouvoir rentrer et nos trois maris vont effondrer en larmes. Pardon, excusez-moi. On va arriver, ils vont être autour du feu. Pardon, madame, c'est un moyen. Moyen mais au lait. Moyen lait. Allez. Moyen. Avec okay. du lait. Ok. Oh là là. Quand t'as pris ça l'autre jour, c'était vachement bon. Ouais. Ouais. Bon bah allez, on va boire un coup alors. Allez, allez, allez. Regardez ce qu'on va manger. Miam, 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 miam. Et bah c'est que pour nous. Non, on partage. Je vous donne l'adresse. On est à Taroudante. Allez, venez. Bonjour, nouvelle journée. Aujourd'hui c'est dimanche, c'est jour de souk. Voilà. Alors on a pris notre petite charrette. La petite charrette, parce que je sais plus qui c'est qui nous disait l'autre jour qu'on polluait, machin, etc. Et qu'on ferait mieux de penser à emmener des choses pour des poches pour les courses. Mais je vous rassure, on a la charrette et on part faire les courses. Avec les petits sachets réutilisables. Hein. Donc non, on ne prône pas quelque chose qu'on ne fait pas. On l'applique. Là, on prend la route direction la nouvelle ville, à peu près, en quelque sorte. Hein, voilà. C'est la partie qu'on n'a jamais faite. On n'est jamais allé vers ici. Et là, en fait, donc il y a le souk. Et je m'aperçois finalement que le souk continue aussi plus loin. Voilà. On est passé un petit peu ici, mais on n'a pas été beaucoup plus loin. En fait, il se trouve qu'il y a une sorte de complexe restaurant au bout du côté Nouvelle-Ville qui a une grande piscine. Alors, vous me direz, c'est pas nécessaire. C'est vrai. Mais on se dit qu'on ferait bien plaisir aux loulous. Et donc, on va aller voir si cette piscine, elle est fonctionnelle ou pas. Parce que bon, bah, ça arrive des fois que les piscines, elles soient pas en route, hein, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc, on va aller voir ça. Mais si elle est réservée aux clients ou... Ah bah de toute façon elle est réservée aux clients. Juste en mangeant on peut y aller. Voilà, elle est réservée de toute façon aux clients, mais à voir si... à voir les prix aussi du restaurant, etc. Puisque qui dit complexe avec une piscine dit forcément que c'est plus aisé, plus touristique. Voilà, donc ça peut aussi être très cher. Donc ça c'est la surprise, on va aller voir. On n'a pas emmené les loulous bien sûr hein, pour aller voir. On va se renseigner. Alors on voit que les bâtiments sont en pleine construction pour certains, c'est vraiment en plein développement. Et je pense que si on revient là dans, même pas dans quelques années, dans quelques mois, parce que ça construit très très vite quand même. Ça avance vraiment vite. Et je pense qu'il y aura tout un côté nouveau de ce côté-là, et des petits magasins, des petits markets et tout ça. Là-bas au fond, il y a une école. Je sais pas si vous voyez, en général quand les murs sont colorés comme ça, de toute façon c'est les écoles.
Donc on les voit vraiment de loin. Verdict, le restaurant est là, juste en face là. Par contre la piscine elle est bien fermée, hein, Alban, comme souvent. Donc voilà, donc, bah, part dans certains campings où en effet il y a la piscine. Mais bon, ici à Taroudante, c'est dans les riades. On va aller voir les riades, mais bon, on va pas aller courir les riades pour aller trouver une piscine. Hein. Prendre une douche. Alors aujourd'hui je suis avec Kiki et Féfé. Et où Kiki? Ah il est là Kiki. Oh les Kiki. Je suis les Kiki. On s'est arrêté dans un petit resto là, un petit truc pour acheter deux poulets avec des frites, de la salade et tout pour tout le monde. Chez Itran. Voilà. Comment? Chez Itran. Chez Itran. Ah bah bougez pas, je vais vous montrer où est-ce qu'on s'est arrêté. Voilà, on s'est arrêté ici juste avant la place Temeklet, la place des oranges. On est juste avant. Coucou Yaya! Tu fais coucou? Coucou! Tu fais du gratouille alors? Oui? Gratouille est pas très motivée, hein! Allez, allez, gratouille! Allez, zi, zi! Zi! Comment tu dis Octavia? Zi! Zi! Vas-y, dis-lui, zi! Zi! Voilà, zi! Allez, gratouille! Alors, Alice, elle fait travailler. Noémie et Herman. On est pas loin en plus. Mais non, tu sais, moi je le fais juste avancer, donc c'est à l'heure quoi. Quoi, on les filme rarement les soirées. Mais là, c'est franchement, vrai. On s'est fait une soirée. Parents, sans enfants. Sans personne en fait. Parce qu'en fait, on va manger un truc entre nous. Un truc quand même. Que pour nous. Qui est un truc quand même qui est bien de chez nous. Et profitez-en parce qu'en Afrique, vous êtes pas prêts d'en manger. C'est clair. Oh là là, c'est le dernier qu'on va avoir avant. Tu peux le faire envoyer, mais ça fait chier en TV. De la cigogne peut-être. Après, Hello, elle a des canards. Il va falloir les engraisser. Ouais. Bon, du coup, c'est. C'est notre petite soirée quand même. Hein. C'est notre petite soirée. On a à boire. Petit mojito. Ouais. Hein? Avec beaucoup d'amour. Alice nous a fait un petit repas avec amour. Et une petite mousse au chocolat. Et moi. Ouais, c'est bon. Ça. Moi, j'ai léché la mousse au chocolat. Et pas toi. Ça va être censuré ça. Méfie-toi, YouTube, il rigole plus. Voilà. On est prêt pour le calage. Et après, je suis pour rendre le téléphone. Alors ma femme, ça fait un an qu'elle n'a pas conduit le camion, elle n'a pas conduit de voiture. Si, t'as conduit un peu de voiture cet été. Elle va caler. Mais c'était un tracteur, c'était un expert. C'était un diesel, donc ça avance tout seul, ça. Pas besoin d'accélérer. Par contre, je fume pas l'embrayage, hein, parce que... Même pas. Bon, il faut que je rende le téléphone, quand même. Ah, c'est quand, ça? Ouais, c'est des beaux qui voient, hein, après, c'est pas grave, hein. Allez Alice, on est reparti. Ouais, attends. T'as pas faire le GPS quand même. Oui, je sais où on va là. Et mettre la ceinture. Oui. Quand même, hein, faut trouver, hein. Ah bah j'ai calé moi en faisant la marche arrière. Voilà. On reprend les mêmes, on recommence. Il est toujours là lui. Enfin ouais. Pourquoi on est toujours tous les trois dans les galères? Je sais pas. C'est bizarre quand même, hein. Est-ce qu'on nous voit tous les trois? Oui, on voit même Kiki. Oui. Voilà, on voit même Kiki. Oh là là. On est en direction de Agadir. On vient de se taper un petit délire quand même. Un petit chouïa. Alors, tout le monde connaît Gad Elmaleh, hein, je veux dire là. Avec son célèbre sketch. Si vous connaissez pas Gad Elmaleh, je peux. Si vous avez raté votre. Ouais, je peux vraiment plus rien faire pour vous là. Non. Il a un sketch sur le GPS marocain. Et nous, on était en train de dire ce serait tout à fait ça. Ce serait prends la première sortie
Inch'Allah. T'as peur? Gad, si tu nous regardes. Ouais, une pensée, hein. Ouvre la fenêtre, demande ton chemin à celui qui est dehors. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Il va te répondre, mon cousin, il fait l'étagine là-bas dans le... Voilà. Je vous jure qu'on se moque pas du Maroc, mais en vrai... Non, on adore le Maroc. On adore, mais c'est trop ça le folklore du pays, c'est trop trop ça. Les seuls gens qui comprennent pas notre humour avec ça et avec le Inch'Allah, et c'est clairement, c'est des Français d'origine marocaine frustrés. Y a pas d'autre mot, parce que les Marocains eux-mêmes, ils en rigolent. Même les Marocains, ils rigolent de ça. C'est comme quand ils disent Marrakech, Arnakech. C'est pas nous qui venons dire ça, c'est eux. Ah, le GPS marocain. Ouais, bah c'est ça. Alors là, tout ça, c'est parti du fait qu'on cherche un magasin pour acheter une chaîne de tronçonneuse. Et donc, on dit qu'en gros... chez nous, c'est dans un magasin de motoculture. Ouais, ici, c'est dans un magasin de construction. J'allais comprendre. Je cherche sur Map et Map me dit, je vous assure que c'est vrai, Map me marque destination approximative. C'est sérieux, c'est Map marocain en fait. Destination approximative. Quand t'arrives à Agadir, genre Agadir, c'est tout petit. Tu demandes. Voilà. Bon, bah, on va demander. Parce que je crois que là. Non, franchement. Et on aura peut-être une réponse, Inch'Allah. Ça promet d'être compliqué de trouver des chaînes de tronçonneuses. Hein. Moi, je. Je sais pas. Je sens bien qu'on va revenir sans. Non. La Yuyu va me tuer. Hein. On va trouver. Allez, verdict. On est arrivé. On va voir pour la chaîne de la tronçonneuse. Et elle a pas calé. J'ai pas calé. Elle a pas calé. Pour l'instant. Chaîne de la tronçonneuse. Suite, on est allé au magasin de motoculture, qui avait tout sauf des tronçonneuses quand on est rentré, qui nous a dit ok, quel modèle, quelle marque, quel modèle. Bon, du coup on appelle Yuyu pour avoir la marque, le modèle, et il dit mais il n'y en a pas besoin. Et là la dame nous dit non mais on fait pas en fait. Pourquoi tu m'as demandé le modèle? Bon, ils font pas, c'est pas grave. Elle nous dit tu vas à la source roulement sur la route de Tizni, voilà, et là tu vas trouver. Du coup je tape le truc sur Map et ça me dit magasin de pièces de rechange automobile. Une tronçonneuse, c'est une voiture? Je sais pas, on verra si on trouve. On est bien d'accord qu'il fait, il fait pas les tronçonneuses, hein. Mais il a dit il y a quelqu'un, il fait que les tronçonneuses. Mais pour ça, il faut faire demi-tour. Oh là 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 là. Dans la petite rue, j'adore. Ça va, c'est propre. Tranquille, heureusement qu'elle a une cacahuète et que c'est pas un poids lourd. Hein. Alors, il a dit tout droit et à droite. Tout droit et à droite. Et tout droit à droite de quand? Non, tout au bout, au bout à la rue. Tout au bout à droite. À droite. Il a dit fait que des tronçonneuses. Et tout de suite à droite. Tu vois là, le truc de tracteur? Ah non, c'est pas là, c'est bien. Bon, alors, on a peut-être trouvé, peut-être. On va voir. Peut-être. Ici, ça a l'air, hein, Sarah. Ça y ressemblerait en tout cas. Il y a de l'huile et tout, c'est possible. Voilà Kiki, il a trouvé en fait. C'est un bizutage. En fait, faut aller en face, peut-être. Ah, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Peut-être qu'on a trouvé. Déjà, on est dans le bon magasin. Ça va bien si je fais ça. Comme ça. Je suis au bout de ma vie. Je voulais faire une vignette, mais genre une vignette en mode. Ça me dit que t'as mal aux dents. Mais c'est raté. Après, j'ai essayé comme ça. Non, comme ça. On aurait pu faire comme ça. Non, ça marche pas. Non. T'es pas convaincante. C'est nul. On a trouvé les chaînes. Ouh, on a le sésame. Oh. Salut les routards! Allez! Oh non, c'était ridicule ça! Ah, mais le mien il est pire! Ça sens inverse là! Allez, du coup, maintenant qu'on a. Bon, géré les chaînes, géré les courses. On a mangé! Géré, on a fait un bisou à Joliane et Joanie. On a vu les routards. Oh, il est trop beau ce camion! Ah ouais, les mimi! Avec un colibri. Attendez, je vais peut-être pas, parce qu'en fait tout le monde aime pas qu'on monte son camion, alors on le verra, ouais. Juste en passant, vous verrez juste le dessin. Voilà.
Mais on va passer lentement pour regardez, voir le beau dessin. Trop beau. Avec la bosse. Magnifique. Bref, il est trop trop beau. Donc bref, maintenant, on repart. La sortie est là. Il faut qu'on se trouve un casse-croûte. On est en train de mourir de faim. Moi, je pense qu'il faut aller là-bas. Ouais, mais pas fromage, œuf, kiri œuf. Et si tu vas là-bas, il n'y a pas de casse-croûte. Hein. Ouais, allez, on va chercher un casse-croûte. Oui, on vous a dit GPS marocain tout à l'heure. Il vient de nous dire sortir du rond-point. Enfin, quand début du rond-point, il nous a dit sortir du rond-point. Oui, on espère que continuez ça, pendant 800 mètres. Ah, vous l'entendez? On a pas allé tout droit. Non, mais on espérait que ça en fait, de sortir du rond-point. Mais c'était un peu compliqué. Ça y est, on sort des travaux. C'est un peu un travaux partout. Dodane, Dodane. Il est pas si gros que ça, ce Dodane. Ah bah là, avec mon camping-car, il est où? Ah, et le camping-car, on peut avoir la voiture. Ah, bah, ici, je dirais qu'ils vont faire un nouvel étage avec des boutiques. Ça a l'air, hein. En fait, on est dans le Marjan à Inesgan, là. Puis, je voulais aller aux toilettes et en fait, c'est tout en haut, mais en fait, ça fait un gros hall vide. Il a raison, Kiki. Elle a pas calé. Elle a pas calé. Et là, elle cale. Elle a pas calé, mais elle a fait mieux. Elle a fait mieux que calé. Ouais, et ben si je chope le gamin qui a dessiné sur ce panneau, je te dis, je le bouffe. En fait, elle a roulé trop vite. Mais c'est pas de sa faute. Il y avait un panneau et il y avait écrit 80. Non, 60, mais il y avait écrit 80. Et en fait, c'était pas 80, c'était 60. Et avec le soleil dans le dos, franchement, le panneau brillait. Franchement, on voyait un 8, hein, les gars. Je veux pas dire. Sauf qu'en fait, c'est pas 80, c'est 60. C'était 60. Bon, bah, du coup, 150. Mais n'empêche, il s'excuse de t'avoir mis une prune. Oui, bah, écoute, c'est la moindre des choses, j'ai envie de dire. Bon, allez. On va réussir à rentrer, aller manger notre tagine normand. Et voilà, ça y est, la nuit tombe, nous sommes de retour à la ferme. Ça fait un peu un conte pour enfants, pour un conte. Ouais. Hein? Il était une fois, dans une grande ferme, nombreuses des familles tortues, qui vivaient... qui vivaient dans des habitats moyennement modernes. Avec des routes pas du tout modernes. du tout. Quand tout à coup, surgit un lapin qui avait bien envie de sauter dans le tagine. Non, elle a juste bu un jus d'orange, hein, promis. Et maintenant, le lapin dans le tagine arriva, fut mangé. Bonne nuit les petits. Non mais regardez-moi ça. Les petits chiens se sont sauvés. Du coup, Noah s'est sauvé aussi. Là, j'étais partie pour filmer que Noah sortait par le trou, là. Comme les chiens, en fait. C'est un petit chien, mais à deux pattes. Il est où, le petit chien à deux pattes? Tous les voisins aussi, ils ont dormi la fenêtre ouverte. Allez, on retrouve les mêmes et on continue. On a toujours Yo-Yo, Kiki, Jean-Pierre. Il a dit avant qu'il fallait pas. Jean-Pierre, il est venu nous voir, il savait pas qu'il allait travailler. Bon, ils prennent les bois là, les morceaux de bois, et ils les mettent, bah, vous voyez, comme ça là, tout le long pour faire la carrière. Pour la porte, je sais pas encore où elle va être. Pour l'instant, ils installent tout. C'est déjà bien. Alors, Elo est toute contente de sa nouvelle carrière. Du coup, il y a entraînement. Mais alors gratouille, clairement. Gratouille, lui, ça va tranquille. Il mange. Gratouille, c'est cool, il nettoie le terrain. Gratouille, il aime bien la carrière pour manger, surtout. Plus que pour travailler. Hein. Je sens pas la nouvelle carrière. Pour Alice, on sait pas trop ce qu'elle fait avec Herman. Elle fait bisous, bisous avec... Vas-y, cours, Elo, tu fais ça bien, Elo, cours. Montre-leur comment on fait. Tortue ou Philibert. Si je m'approche, il va cadrer. Zi. Voilà. Oh, il a couru. Oh, c'est bon. Arrête, il a une crampe. Il a couru 3 mètres. Arrête, il a une crampe. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas motivés aujourd'hui. Parce que Herman, il a pas l'air motivé non plus. Herman, il est avec l'âne. Il y a des gens, ils sont motivés.
par là-bas, ça bricole. Ouh là là, où c'est grand ménage chez Spritter. Ah non, c'est parce qu'il a basculé la cabine. Ah, vous voyez, ça, c'est un truc, je sais pas si vous en rendez compte sur les camions. C'est un problème qu'on peut avoir sur les camions, c'est que quand on veut basculer la cabine, eh ben, il faut qu'on sorte tout ce qu'on a dans la cabine. Sinon, bah voilà, ça tombe. Bon, allez, hop, je vais vous faire un petit message, une petite explication de cette vidéo, parce que cette vidéo, c'est vraiment, mais alors vraiment, un grand, grand n'importe quoi. Ça part dans tous les sens. On parle de casse-croûte, on vous montre pas le casse-croûte. Je vous parle du tagine normand, je vous montre pas le tagine normand. Ah bon, bref, vraiment du grand n'importe quoi. Vraiment du grand n'importe quoi. En fait, il se passe qu'on a été quand même un petit peu perturbé avec l'histoire du carnet de passage en douane, entre autres. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le carnet de passage en douane, il a été envoyé donc par le courrier du voyageur en passant par FedEx. Et on l'a fait assurer donc pour 3000 euros. Donc, qui est en gros la caution qu'on a déposée à l'Automobile Club. Sauf que il fallait faire une déclaration de douane, en fait. Cette déclaration de douane, ben moi, j'ai marqué 3000 euros sur la déclaration de douane. Mais en fait, comme si c'était une marchandise. Alors que c'est pas une marchandise, c'est juste un document. Donc, le colis, il s'est retrouvé bloqué à la douane, à Casa. Il est bloqué là-bas. Il est toujours bloqué hein, au moment où je vous explique. Bloqué à la douane à Casa et du coup, en gros, on nous demande de payer 50% de la valeur pour dédouaner le colis. Donc, autant dire que ça fait environ 1500 euros, que je ne vais pas lâcher 1500 euros pour une caution en plus. Et en gros, si on ne paye pas cette caution, on récupère. Enfin, si on ne paye pas, ils ne veulent pas nous rendre le carnet. Mais si on ne rend pas le carnet, on ne récupère pas notre caution. C'est un peu compliqué, hein. Donc là, on est en train d'essayer d'expliquer à la douane. On a passé des heures au téléphone ce matin, déjà pour essayer d'avoir quelqu'un à la douane à Casa. Parce que le monsieur de chez FedEx que j'ai eu ce matin au téléphone, il s'est pas pris la tête. Il m'a dit en gros, bah, vous voulez pas payer, vous refusez le colis. Ok, et il m'a raccroché au nez. Et donc après, j'ai reçu un message comme quoi je refusais le colis. Mais j'ai pas refusé le colis en fait. Je disais que j'essayais de lui expliquer que c'était une incompréhension en fait, qu'il y avait un malentendu. Donc j'ai contacté le courrier du voyageur. Courrier du voyageur qui ont été mais alors c'est vrai, j'entends souvent que le courrier du voyageur ça coûte cher et c'est vrai, on en parlait il y a pas longtemps avec Alice, c'est un coût. Mais par contre au niveau du service, moi je suis désolée mais ils sont hyper réactifs. Je les ai appelés et je dis pas que le problème est réglé, mais je les ai appelés et tout de suite je les ai appelés en fin de matinée. On est en début d'après-midi et on a déjà un retour de FedEx qui nous dit OK, on a bien compris le problème. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que on va transmettre l'information à la douane pour refaire la déclaration de douane et donc déclarer le document à zéro, en fait. C'est-à-dire que le document ne vaut pas 3000 euros. C'est la caution qu'on a laissée en France qui vaut 3000 euros. Je leur ai donc fourni la facture de l'Automobile Club qui explique qu'il y a, qu'il y a en gros les 3000 euros en fait, de caution et que ce n'est pas la valeur du document. Compliqué, hein, un peu compliqué. Ah oui, le monsieur ce matin m'a même carrément dit, vous avez qu'à aller à Casa, à la douane, en gros, de toute façon, c'est là-bas qu'il faut payer. Hein ? Je suis à 500 km. Donc, cela dit, entre parenthèses, on va peut-être pouvoir relancer la livraison. Même s'il faut payer un petit peu, je sais pas, moi, imaginons qu'ils nous pondent des frais de dédouanement de 100 euros, je vous dirais, je suis prête à les payer, là, au point où on en est, voilà. Sauf que, en fait, on n'a même pas l'info si à qui il faut les payer, en fait. Donc, on se pose la question, ils vont pas nous envoyer quand même à la douane jusqu'à Casa, qui est à 500 km d'ici, pour aller payer. Enfin, je sais pas, je comprends pas trop. Voilà, donc là, pour l'instant, on attend. Et puis, on essaye de vous donner des nouvelles tout à l'heure, si on en a. Voilà, si on en a, parce que j'espère. En tout cas, je vous dis, j'espère. On essaie de contacter un petit peu de tous les côtés. C'est pas évident, hein. C'est vraiment pas évident. Enfin, voilà. Allez, on vous tient au courant tout à l'heure quand on a un peu plus de nouvelles. Mais c'est pour ça que la vidéo, c'est un petit peu tout et n'importe quoi aussi. C'est qu'on était un peu perturbés. On a un petit peu galéré, un petit peu. Mais on a trouvé pour mettre de l'eau. Parce qu'en fait, le lavage à côté de la ferme peut plus mettre de l'eau. Parce qu'en fait, ça marche apparemment par catégorie d'eau, en fait, par seuil. Et du coup, en fait, ça l'a fait dépasser le seuil qu'il a d'habitude. Donc, du coup, il ne peut pas mettre d'eau. Donc là, on a trouvé une station. Et c'est cool, ils nous mettent un petit peu d'eau. Et puis, voilà. Merci beaucoup. Bon, on n'a pas de nouvelles. Merci. On n'a pas de... Non, c'est bon. On n'a pas de nouvelles de...
de notre colis, donc on va faire là-dessus, hein, on va faire avec. Hein. Voilà. Et on clôture sur le bon repas préparé par amour par Alice. On fait le deuxième franc ? Non, il se le fera, vas-y. Mais non, mais ils sont prêts. Tu veux le deuxième ? Regarde, regardez ça. Ah non, mais. Moi, je peux parler de toi en fait. Ouais, ouais, vas-y, oignon, oignon. Ouais, oignon, 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 c'est bien les oignons. Oignon, oignon, oignon. On est dans un espace clos. Elle fait ça bien, heureusement qu'on lui avait dit chacun fait sa popote, hein. Ça passe pas partout ?